Il est actuellement 5h du matin, je crois. Il est 5h04. Je chuchote parce que ma mère dort encore. C'est le premier vlog de la chaîne Let's Go. Donc, je n'ai absolument pas dormi pour ceux qui étaient avec moi sur le live Twitch SNK. Je vous ai dit, j'aimerais ne pas finir trop tard. Il est 23h37. Ok. Donc... Tu veux nous abandonner? Oui. Vas-y. Il faut que... Allez, vous savez que mon train est à 5h30. Oh mais qu'est-ce que t'as, on va dormir? Finalement, j'ai pas dormi. J'ai finalement terminé mon montage de la vidéo du vendredi. Plus, j'ai joué à Genshin. Je vais être chaos amère. Bienvenue dans ma vie. Là, on a mon sac qui est prêt. Le petit trépied. Mes affaires. Pourquoi c'est pas dans mon sac, ça? Ma petite Yumi qui dort. Tu fais autre chose que le mignon. Ma manga tech, c'est le bordel. Oui, il fallait que je vous montre aussi mes superbes chaussettes Pokémon achetées au Pokémon Store de Tokyo. Voilà, c'est tout pour moi. Et voici Saint-Brieuc à 5h30. Waouh! Bien évidemment, il a plu. En vrai, j'habite littéralement au village de la pluie. Bon, là, on arrive à la gare. Magnifique gare qui a été refaite, d'ailleurs, hein, comme vous pouvez le voir là. Ça nous a coûté des millions d'euros. Et pour qu'on ait toujours des tarifs de merde. Je ne suis pas du tout en retard, il me reste 5 minutes. Est-ce qu'on peut m'applaudir, s'il vous plaît? J'ai le seum, je suis voiture 18. Fallait que ce soit tout au bout, sa mère. J'ai marché un peu trop vite. Genre je suis fatiguée parce que j'ai fait 10 minutes de marche et j'ai marché comme une tarée. Non, non, les trains trop tôt, là, c'est pas pour moi, les gars. Il est archi vide. Un truc de ouf, comment le train est vide. Madame, monsieur, bonjour. One eternity later. En raison de mon manque de sommeil, du fait que j'ai dormi comme une grosse merde chez mon meilleur pote toute la journée du vendredi, nous allons donc passer directement au samedi. Merci. J'aime bien parce que t'avances de ouf. Bon, là, les gars, on est samedi. Et quelle heure? 6h30? 16h55, dans une heure, j'arrive au... Enfin, on va rentrer dans le Grand Rex. Oh, silence, s'il vous plaît! Et on va partir pour 14 heures de films. On va faire le marathon Seigneur des Anneaux. Les trois films... Ta mère, le scout. Là, c'est parti pour les trois films en version longue d'affilée. Bon, apparemment, il y a une heure d'entracte. Ouais. Lol. Il y a déjà la queue, genre, depuis 14 heures, il y a une queue. Et j'espère vraiment que la queue n'a pas grossi. What? Cette phrase est extrêmement bizarre, je la couperai pas au montage. Bon, let's go, on arrive au Grand Rex. C'est l'écran On est prête? On est ready. On est ready. Urukai, toujours là. Ils sont vraiment sympas, hein. Oh my god, tu sais que j'ai eu des frissons. Les gars, là il est 21h45, on a fini le premier film, il y a quasiment une heure d'entracte. Ah oui, au type qui était devant nous et qui sentait l'urukai, l'odeur terre du milieu, c'est vraiment de loin en fait. Ça nous a pourri, pas pourri toute la séance mais presque, genre j'ai plus de nez, j'ai jamais autant porté mon masque dans un ciné, genre c'était horrible. Donc à ce mec, si tu te reconnais, ça suffit la pierre d'Alain. Troisième rangée. Troisième rangée. T'as levé les bras, à chaque fois il y avait des vagues d'odeur, il s'agirait de doser. Bon, en tout cas c'était trop bien, il y avait une putain d'ambiance. Et là il reste encore deux films avec encore plein de répliques de ouf. Est-ce qu'on va tenir jusqu'au bout? Je ne sais pas. On se retrouve du coup tout à l'heure après le deuxième film pour voir si j'ai toujours la même gueule. Vous savez que ma pote elle a l'impression que je filme le projet Blair Witch. Au secours! Je suis toute seule dans la forêt. Bon bah là, ça y est, on a regardé le deuxième film. Il est quelle heure? 2h44. Il est 2h44. J'ai pas dormi une seule fois.
Elle a dormi. Une micro-sieste. Une micro-sieste, mais tu as dormi, tu as sombré. Moi, je n'ai pas fermé l'œil une seule fois. Et des fois, je check un peu dans la salle, genre, les gens sont réveillés. Genre, je suis en mode... Je vois les gens qui dorment et je les juge. Au niveau de ma gueule, ça commence légèrement à se détériorer, ça commence à devenir compliqué. Pour Frodon. On se voit tout à l'heure à 8h du matin. Et 7h20 du matin, nous avons enfin fini ce marathon. Peut-être avec un peu plus de lumière, vous allez voir ma gueule. Je mentirais si je disais que j'avais pas dormi. Pendant la fin du 3, on a tout regardé d'un coup, on a crié, on a applaudi, on a beaucoup applaudi quand même. Non, franchement, c'était incroyable. S'il y a bien un truc que vous devez faire dans votre vie, c'est un marathon au Grand Rex. De nuit, c'est ouf. Bon bah voilà, après avoir passé 14 heures dans le Grand Rex, je vais rentrer chez mon pote, dormir. La mission du jour là, enfin la mission de maintenant là, c'est de le réveiller pour qu'il m'ouvre. Ça va être la merde. J'ai un look, frérot. J'ai mis mon meilleur jogging. Donc là, c'est le moment de vérité, là. Ah, il a mis déjà sa sonnerie. Oui, je suis devant. Merci. Terence, si tu vois ce vlog, je suis vraiment désolée. T'es vraiment le meilleur pote du monde. Didi, toi ça va? T'arrives à survivre avec ces ronflements? T'en as rien à foutre? De le perdre. Didi, t'as pas marre, ton maître il ronfle. Bon, il sait des techniques. Ouais. Ouais. C'est quoi, c'est montrer son trou de balle maintenant? D'accord, y'a pas de problème. Ça a l'air de se calmer. C'est bon. Donc oui, j'ai une gueule de merde. La nuit a été très longue. Bah, vous imaginez bien, je me suis pas couchée direct parce qu'avec le tracteur qu'il y a dans la même pièce, c'est compliqué. Bon, là, on vient d'arriver au bureau. Donc vous savez ce que c'est, le bureau. C'est là où il y a tous les Seven, Shelby, Blaco, Mino, Soleil, tout le tralala. Ouais, j'ai fait un petit ravalement de façade, là. Mais il a plu, donc je pense que je ressemble à Tina Turner avant la fin de la soirée. Alors, le code, c'est 5244... Non, je rigole. Le code. Donc là, on va aller au bureau. Ce soir, on va regarder SNK. Là, on arrive au bureau. Je sais pas si vous entendez, il fout tellement de bordel, c'est incroyable. Joyeux anniversaire. Mais c'est quoi en fait? Mais c'est pas moi, wesh. J'ai mis le dos dans le nez. C'est quoi, Mathis? C'est déjà en chaussettes? Bataille son oignon là. Ça, c'est une marque de fabrique. Pico et. Non, c'est Mino. Ouais. C'est quoi ce soir? C'est l'amitié. Maintenant qu'elle habite en Bretagne, elle fait des vlogs. Elle vient à Paris. Je veux dire, elle fait la parisienne maintenant. Tu sais que c'est incroyable, tu vas faire des NFT toi aussi. Voilà. C'est quoi, c'est faire des vlogs parce que tu viens à Paris, genre t'es en week-end maintenant. Mais exactement, on m'a demandé genre. C'est quoi ce mettre le micro à l'envers? Bah comme ça on m'entend. Je suis en pleine forme. Sinon on m'entend pas. C'est important de m'entendre moi. Tu... C'est quoi en fait? C'est être en retard. Non, c'est mon t-shirt. Oui, non mais c'est être en retard. Ça fait longtemps. Bah Squid Game c'est bon, c'est fini. Eh non. Chouïa. C'est quoi? Pourquoi vous nous jugez sur nos chaussures? Vous allez en rave. Quoi, c'est le jugement? En rave, rave. Si il fait ça, je vais l'enculer. Ça a l'air d'enfuir. Ouais. Joyeux anniversaire, si belle. Joyeux.
14h10, je sais que vous avez eu un énorme trou au niveau du vlog, mais on devait faire des vidéos, tout le tralala. Et j'ai dormi au bureau, j'ai fait ma review à 8h du matin. Là, je viens de finir le montage. Et il y a un cadavre. Il reste un cadavre. Voilà. Voilà, voilà la vie d'influenceur. Et on a Tsuyu qui nourrit l'équipe. Ouais. Voilà, ouais. C'est la place de... Ouais. Non, c'est la patate douce. Je vous fais quand même un petit tour du bureau. Je pense que la pièce principale, enfin, il y en a qu'une seule, mais genre l'endroit principal que vous voulez voir, genre c'est la Mangatech. Donc ça, c'est Kallax, le truc qu'il y a dans ma chambre. Non, c'est Ruben. En plein vlog, voilà. C'est Ruben. Ça va couper. Oui, bien sûr. Non, je couperai pas. Tu sais qu'un jour je vais voler une de ces statues. La vérité, je vais venir avec un camtar et je vais tout prendre. Celle-là, là. Ça me rend ouf. Si un jour il a une Sumé Naruto, vraiment là, par contre, ça va mal se passer. Ah oui, et allez télécharger l'application Lancelot. Vous allez apprendre comme ça. Pour tous ceux qui veulent trouver des compagnons de jeu et qui trouvent que des DABL sur les réseaux, vous allez trouver des super compagnons sur Lancelot. Et voilà, celle qui m'énerve, celle qui me rend ouf. Regardez-moi cette dinguerie de Tsumé, mais envoyez-moi des trucs, frérot. Oh. Voilà, j'ai une gueule de merde, j'attends l'extraction de ma vidéo. Et je dois aller prendre le train, je sens que je vais être en retard, j'ai trop peur de le rater. Parce qu'on est loin de Paris, là. Donc, on se retrouve peut-être à la gare. Vous devez vous en douter, mais j'ai évidemment raté mon train de 15h30, et également celui de 19h50. J'ai donc pris le train le lendemain matin, à 7h. Et désolé, j'ai pas pu filmer toute l'aventure parce que ma caméra n'est pas pratique pour les vlogs, mais ça va vite changer. Voilà. Après 2 heures de trajet, peut-être 20 minutes de sieste, nous arrivons enfin devant mon château. Le château Le Maire, voilà. J'en peux plus. Oh, que c'est bon! Oh, petit bibi! Ça va, mon chat? Oh, petit bibi! Ouh là là! Oui, j'ai l'air absolument abruti quand je vois mes chats. Apparemment, il y a des petites choses qui sont arrivées, j'ai plein de... What? Sérieusement? Ça va donner un unboxing sur ma chaîne qui sera sûrement sorti avant que ce vlog sorte. C'est incroyable! Voilà, ce vlog est terminé. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, t'as kiffé, Aku? Oui, tu adores le vlog. Tu es extrêmement content d'être dans cette vidéo. Allez, bye bye les nakamas!